Le point de nœud sert à faire des petits points, simplement. Sur ta feuille, j'ai rajouté un deuxième petit point juste en bas. C'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire un trou, mais deux trous qui sont ni trop loin pour ne pas que ça fasse un trait plutôt qu'un point, ni trop proche pour ne pas déchirer la petite espace entre tes points. Donc, c'est le nœud qui est probablement le plus difficile à faire que tu vas rencontrer. Par contre, avec un peu de patience, tu vas y arriver. Donc, la première des étapes, c'est de percer ta feuille par le dessous, comme on a vu avant. Je tire mon fil jusqu'au bout. De mon autre main, je tiens mon fil. Je vais faire deux tours avec. Je ne lâche pas le fil. Je viens placer le nœud entre mon pouce et mon nouveau doigt pour ne pas qu'il tombe. Et je vais venir percer au deuxième petit trou. Je dois maintenant tirer sur mon fil pour former le nœud et passer mon aiguille jusqu'au bout en ne serrant pas trop fort pour justement que mon fil passe bien. C'est à ce moment-là que je peux tirer et former le nœud. Je coupe à l'arrière et je vais placer un petit collant. Je le refais et je dois m'assurer de refaire mon petit nœud sur ma corde. Alors, le point de nœud peut être fait comme ça ici, plus espacé pour faire des points, ou plus rapproché, et je pourrais créer un motif, comme par exemple des centres de fleurs, ou une laine de mouton, quelque chose comme ça. Donc, où est-ce que mes nœuds seraient tout collés? Je te le remontre. Je pique par le dessous. Je tire mon fil au complet. J'enroule mon fil deux fois autour de mon aiguille. Je place mon nœud entre mon pouce et le bout de mon aiguille. Je repique tout juste à côté. Je tire sur mon fil pour venir former le nœud sans trop le serrer. Et je peux tirer mon fil par le dessous. Je pique par le dessous. Je tire mon fil. J'enroule mon fil deux fois. Je place mon nœud entre mon pouce et le bout de mon aiguille. Je repique tout juste à côté. Je serre mon nœud, pas trop fort. Je le tiens et je peux entrer mon fil.